Là-bas, ah, vers l'ombre là. Pas les juifs, le coup. Bonjour messieurs les journalistes. Vous êtes à la rue aujourd'hui, c'est jeudi à Goma, on peut savoir pourquoi. Les avocats défenseurs de droits humains, défenseurs de droits des autres, ont décidé aujourd'hui de se prendre aussi en charge et de défendre leurs propres droits. Il en va aussi de l'intérêt national et de l'intérêt de la défense des droits humains en général. Aujourd'hui, les avocats du barreau du Nord-Kivu ont décidé de saisir les autorités politico-administratives au travers d'une grande manifestation des rues qui sera sanctionnée par le dépôt d'un mémorandum contre la mauvaise gestion de l'appareil judiciaire dans le ressort de la province du Nord-Kivu en particulier. Et ce mot ne sont pas spécifiques pour seulement le Nord-Kivu, mais c'est aussi général pour toute la République entière. La cour d'appel du Nord-Kivu, la manière dont elle est actuellement gérée, ne permet pas aux avocats de continuer à garder silence. Le calico comporte le condensé du message que les avocats lancent. Il y a le clientélisme judiciaire qui est dénoncé. Il y a la commercialisation de décisions judiciaires. Il y a aussi la médiocrité des décisions judiciaires. Tout cela fait qu'aujourd'hui, les avocats décident de dénoncer et de demander aux autorités politico-administratives de s'impliquer dans la question, sachant que le magistrat suprême, c'est le président de la République et c'est lui le destinataire, le consommateur final de notre mémorandum, afin qu'il puisse prendre des mesures idoines qui iraient même jusqu'à la révocation de certaines brebis galeuses qui sont en train de torpiller et de marcher en contre-pied sur sa vision de l'état de droit. Voilà. Qu'est-ce que vous demandez finalement? Vous demandez le départ du premier président de la cour d'appel du Nord qui vous demandez qu'il change sa façon de travailler. Vous savez, monsieur le journaliste, le premier président de la cour d'appel du Nord qui vous est en train, dans ses moyens de défense que nous sommes en train de ramasser par-ci, par-là, parce qu'il ne s'empêche pas de parler, il est en train de déclarer tout haut qu'il a le soutien de sa hiérarchie et qu'il ne partira pas. Et il ne se cache pas de dire que ce soutien de la hiérarchie est motivé par non seulement le fait que lui serait celui qui est venu redresser la magistrature ici et qu'il est en train aussi d'entretenir des très bonnes relations avec cette hiérarchie. Vous savez, monsieur le journaliste, aujourd'hui, cette cour d'appel est en train de totaliser plus de 25 ans d'existence. C'est la toute première fois que les avocats décident de faire une manifestation comme ça contre un premier président. L'homme qui vous dit qu'il est venu redresser la justice, mais ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde se lève contre ses actions. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que c'est le seul qui est venu tout tuer de ce qui restait de la justice en province du Nord Kivu. Il ne peut pas se permettre de dire que, parce que cela aussi est en train d'être dit, que non, ce sont certains avocats mécontents qui perdraient de procès devant lui, qui sont en train de manifester. Mais depuis que les cours et tribunaux existent, il y a toujours des partis qui gagnent et qui perdent. Pourquoi tous les autres premiers présidents qui ont défilé ici n'ont pas connu son sort à lui? Aujourd'hui, ce que nous demandons, pour finir, ce n'est pas
qu'il change sa façon de travailler, parce que nous avons tout essayé. Le conseil de l'ordre des avocats l'a à maintes reprises rencontré pour l'inviter à changer sa manière de travailler. Il n'a pas voulu écouter et aujourd'hui les avocats se prennent en charge pour demander son départ. Et c'est un départ pour nulle part, parce que les mots qu'il est en train de faire ici, on ne voudrait pas que les autres concitoyens d'autres coins de la République les subissent. Donc nous demandons qu'il parte pour nulle part ailleurs. Voilà. Alors, le fonctionnement de l'appareil juridique mis en cause au Nord Kivu, là vous faites à l'issue également la justice militaire ou c'est comment? Vous savez, monsieur le journaliste, le premier président de la Cour d'appel est le patron de la justice en province. Dans le mémo, nous avons été explicites. Nous avons dénoncé même ces actions auprès de la justice militaire. Il a des interventions partout, il a des actions qu'il mène partout qui freinent la bonne administration de la justice. Avec sa casquette de patron de la justice en province, lorsqu'il se présente devant un magistrat inférieur, celui-ci est obligé de se plier, il est obligé de suivre ses orientations. Et c'est cela que nous sommes en train de dénoncer dans cette manifestation et dans notre mémorandum qui sera déposé aujourd'hui aux autorités. Est-ce que pensez-vous que cette mauvaise gestion peut être à la base de l'insécurité judiciaire en Nord Kivu? Monsieur le journaliste, il ne s'agit pas seulement de l'insécurité judiciaire, parce que l'insécurité judiciaire est tributaire même de l'insécurité que nous sommes en train de décrier dans cette province. Lorsque une population en quête d'une justice saine ne sait pas la trouver dans le palais de justice, elle est obligée d'aller la chercher par de voies autres que la justice institutionnelle. Donc aujourd'hui, la population est en train de se retrouver à un moment donné obligée de faire recours à de moyens, parfois même violents, pour régler leurs problèmes, parce que la justice n'habite plus le palais de justice. Mais si nous faisons en sorte que le palais de la justice reflète la justice, que la justice retourne dans son palais naturel, eh bien tous les problèmes qui sont en train d'être réglés par, de manière assez violente par des gens qui n'ont plus foi en cette justice peuvent retourner au palais et la paix va revenir dans ce pays. Recourir à des moyens violents, là vous voulez dire, ou bien vous faites allusion par exemple à la création des groupes armés en Nord Kivu? Monsieur le journaliste, rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Une population exacerbée par l'injustice, elle trouve tout mécanisme pour se prendre en charge. Et cela n'est pas non plus exclu de ces nombres de mécanismes que la population parfois utilise pour essayer de résoudre ces problèmes judiciaires. C'est vrai que cette période est liée à l'état de ces gens, un rôle avec ce que vous dénoncez aujourd'hui? Effectivement, si nous sommes venus voir le gouverneur militaire, c'est pour apporter notre soutien à l'état de siège, parce que aussi longtemps que la justice ne sera pas alignée dans cette vision, on continuera toujours à connaître des problèmes. Aujourd'hui, on est en train d'accuser l'état de siège, que rien ne fait, mais on ne voit pas qu'est-ce que le rôle que la justice joue aussi dans tout ce qui est en train d'arriver. Lorsque l'état de siège doit traquer les malfrats, lorsque les bandits doivent être arrêtés et déférés devant la justice, et que cette justice le laisse filer encore à travers le mail du filet, allez-y comprendre quelque chose. Il est difficile que les résultats soient visibles sur terrain. Donc nous sommes venus aussi apporter notre pierre de contribution à cette œuvre-là. Maître, ici, vous n'obtenez pas gain de cause à travers cette marche. Que comptez-vous faire? Monsieur le journaliste, il n'est pas question de décolérer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le lancement d'une grande série de marches qui ne pourra connaître son point de chute que le jour où la réponse à nos revendications viendra à être donnée. On ne peut pas continuer dans ce système d'une justice à double vitesse, une justice injuste, en attendant que des résolutions soient prises. À partir de maintenant, les avocats ont décidé de se prendre en charge et de faire un sit-in prolongé à la cour d'appel pour demander la suite à leurs revendications, sans laquelle aucune activité judiciaire ne reprendra dans cette province. Votre manifestation n'a pas été encadrée par la police. Est-ce que vous avez formé les services sécuritaires? Il n'est pas de notre obligation de demander cet encadrement-là. Notre obligation à nous, c'est de pouvoir informer. Et l'information a été portée à la connaissance de la municipalité. Raison pour laquelle vous voyez que tout s'est passé d'ailleurs dans le calme, sans aucun incident. Merci. Si on va se poursuivre,
jusqu'à ce que les avocats obtiennent gain de cause dans la démarche de ceux qu'ils sont en train de rechercher. Et ce qu'ils sont en train de rechercher, c'est ceci. Ils veulent que la province du Nord Kivu soit restaurée quant à la distribution de la justice. Puisque aujourd'hui, il n'y a plus de justice fiable au sein de la province du Nord Kivu suite à un individu, monsieur le premier président de la cour d'appel du Nord Kivu, monsieur Nicolas Twendimba Dimanana, qui a décidé de brader la justice. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Soyez précis. Nous reprochons à monsieur le premier président un certain nombre d'antivaleurs. Par exemple, la corruption. Par exemple, le clientélisme. Par exemple, l'intrusion intempestive dans les décisions judiciaires qui sont rendues par d'autres juridictions. Et par là, nous voulons dire qu'il viole à dessein le principe de l'indépendance du juge. Ses collègues magistrats doivent subir son dictat pour rendre les décisions judiciaires. Pourquoi ils n'ont pas manifesté? C'est une question, je pense, qu'il faut leur poser. Mais nous, avocats, en tant qu'auxiliaires de la justice et appelés à protéger la population, nous avons décidé, nous, de prendre nos responsabilités et de marcher aujourd'hui. Vous avez parlé de la corruption. Est-ce que vous pouvez illustrer ça par un exemple concret? L'exemple concret, je vais vous donner des exemples. Pouvez-vous vous imaginer, monsieur le journaliste, que premier président décide d'appeler mon client dans son bureau ou le client d'un avocat dans son bureau et lui dit, moi je ne veux pas voir la tête de cet avocat-là. Si tu veux gagner le procès ici dans ma juridiction, tu dois te séparer de cet avocat. Tout simplement puisqu'il sait que peut-être cet avocat-là n'a jamais opté pour la démarche tendant à soudoyer les juges. Alors vous devenez son ennemi. Les cas sont légion. Nous en avons cité des cas dans notre mémo. Vous aurez peut-être plus tard l'opportunité de lire ce mémo là-bas et vous allez vous rendre compte que les cas sont légion. Les cas de cette corruption, du clientélisme, de l'intrusion dans les décisions judiciaires, du blocage des exécutions des décisions judiciaires, les mépris envers les avocats ont aujourd'hui les ras-le-bol. Ils se disent finalement en quoi ils sont défenseurs des droits de l'homme. S'ils ne savent pas recouvrer leurs propres droits, comment vont-ils défendre les tierces personnes? Pour cela, nous nous sommes dit, trop c'est trop. C'est vrai que notre société est gangrénée par plusieurs fléaux. La corruption, on ne se la cache pas en République démocratique du Congo. Mais quant à nous, nous avons décidé de mettre un terme à cela et à notre manière. C'est pour cela que nous marchons aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez pu contacter le Conseil supérieur de la magistrature qui est censé sanctionner le premier président de la cour d'appel? Lorsque vous découvrirez notre mémo, vous allez vous rendre compte que nous avons réservé ampliation, notamment au Conseil supérieur de la magistrature. Et nous avons même rappelé au Conseil supérieur de la magistrature qu'il a l'obligation d'ouvrir des actions disciplinaires contre M. Nicolas Twendimba dans la mesure où il y a des plaintes. À quoi sert une plainte si on ne peut pas ouvrir une action? Ah oui, puisque nous pensons que lui, M. Nicolas Twendimba, a même raison aujourd'hui de clamer partout qu'il jouit de la protection de sa haute hiérarchie, puisque avoir le nombre de plaintes et dénonciations contre les agissements de M. Nicolas Twendimba, on ne comprend pas comment il n'y a pas d'action disciplinaire ouverte à sa charge. Vous avez échangé avec le gouverneur. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'échange? Oui, nous sommes fort aises d'avoir été reçus
par le gouverneur de province qui nous a écoutés et qui a promis de pouvoir agir. Nous lui avons demandé un certain nombre de choses. Nous avons foi qu'en tant que le représentant du chef de l'État dans la province du Nord Kivu, nous avons foi qu'il va agir et qu'il va rencontrer notre assentiment. Est-ce que vous pouvez dire sans soi? Un peu c'est mensuel. Dio Mimi. Maître Paulette, bonjour. Bonjour. C'est Mathieu de la rue des Colons, pourquoi? Au fait, les toges noires, les usagers de la justice, les auxiliaires, les avocats, les greffiers, les défenseurs judiciaires sont dans les rues de Goma pour dénoncer la corruption qui bat son plein et qui s'installe dans le ressort du Nord Kivu. Orchestré par le premier président, M. Twendi Bandi. Au fait, la corruption est devenue un mode de gestion de la justice dans la ville de Goma, dans le ressort du Nord Kivu. Les plaintes sont payables. Que tu sois plaignant, que tu sois accusé, tu dois payer de l'argent. Les cautions exorbitantes dont nous ne savons plus pourquoi on doit monnayer la justice jusqu'à ce niveau. C'est pour cela que nous sommes fâchés. Nous, en tant qu'avocates et en tant que représentantes de la structure incorruptible des citoyens, nous dénonçons avec la dernière énergie tout ce qui se passe dans les ressorts. Et nous profitons de la présence du premier président de la Cour suprême de justice et du Conseil supérieur de la magistrature en séjour à Goma pour que nous puissions faire entendre notre voix au plus haut sommet et nous obtenir le départ du premier président Twendi Bandi. Trop, c'est trop. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une insécurité judiciaire au Nord Kivu et d'ailleurs qui aurait même occasionné des conflits, des groupes armés dans cette partie du pays? Nous disons que c'est la justice qui occasionne maintenant les conflits. Parce que quand quelqu'un vient en justice avec toutes les preuves d'avoir raison, on monnaie la justice, on donne raison à celui qui n'en a pas et on donne tort à celui qui a raison parce qu'il n'a pas d'argent. Nous disons que c'est ça même l'insécurité judiciaire. Et l'état de siège, que ce soit au niveau de la police, de la justice militaire, que ce soit au niveau de la justice civile, c'est une arnaque judiciaire orchestrée et organisée pour avoir de l'argent. C'est pour cela que nous disons que M. Twendi Bandi doit partir. Merci beaucoup. Bonjour maître. Bonjour monsieur le journaliste. On s'appelle comment? On m'appelle Théo Manekabe. Parlez-nous, pourquoi les hommes en toge noire dans la rue aujourd'hui à Goma? Pourquoi les hommes en toge dans la ville dans la rue de la ville de Goma? C'est pas tous les hommes en toge, parce que parmi les hommes en toge, il y a des avocats et des magistrats. Mais ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, ce sont les avocats du barreau du Nord Kivu. Et si nous sommes là, nous sommes là pour dénoncer la corruption, l'injustice, les clientélismes, mais aussi l'arrogance, le mépris, le manque de considération et de respect du premier président de la Cour d'appel du Nord Kivu, M. Nicolas Twendi Bandi, à l'égard des avocats et à l'égard même de ses collègues magistrats. Voilà pourquoi nous sommes là. Et notre objectif, c'est pour demander à la hiérarchie au sein de la magistrature de notre pays pour que M. Twendi Bandi quitte la ville de Goma, qu'il soit affecté ailleurs. Concrètement, vous lui reprochez quoi? Mais j'ai déjà dit qu'on lui reproche le clientélisme, la corruption et les trafics dans des décisions judiciaires, mais aussi l'interférence dans beaucoup de décisions judiciaires, parce qu'il vise. Il vise toute décision judiciaire. Aucune décision judiciaire ne peut être rendue s'il ne l'a pas visée. Et c'est là, ça prend du temps, ça préjudicie les justiciables qui attendaient leur décision dans les délais de la loi. Alors, maître, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on peut parler également de l'insécurité judiciaire, d'ailleurs qui aurait même être à la base des conflits des groupes armés dans le Nord Kivu? Est-ce qu'on peut parler ainsi également? Bien entendu, on ne peut pas élaguer les problèmes de justice en ce qui concerne les secteurs, parce que lorsque les décisions sont rendues en dehors, en violation de la loi, eh bien ça crée de l'insécurité. C'est pour cela que vous trouvez qu'il y a des règlements de comptes entre justiciables, parce que telle partie qui a succombé, et peut-être qu'elle avait raison, elle préfère mettre fin à l'autre partie. Voilà pourquoi il y a des assassinats
de mettre tout ça à cause de l'injustice criante que nous connaissons dans les réseaux du Nord Kivu. Une marche pour exiger le départ du premier président. Si vous ne trouvez pas gain de cause, qu'est-ce que vous comptez faire? Nous ne pouvons pas manquer gain de cause, messieurs les journalistes, parce que si nous les manquons, comme vous le dites, nous allons poursuivre nos marches. Et la marche d'aujourd'hui, c'est un signal fort que nous donnons à tous les opérateurs judiciaires, c'est-à-dire toutes les juridictions du Nord Kivu et tous les offices du Nord Kivu. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Cour d'appel du Nord Kivu, mais peut-être ça pourra concerner peut-être la justice militaire aussi. Parce que là aussi, il faut qu'on vous dise la vérité, ça ne va pas. Ça ne va pas, nous devons vous dire la vérité. Et là, nous intervenons pour les comptes des justiciables. C'est nous, les rayonnements de la justice. C'est nous, les représentants des justiciables. Lorsque nous marchons, c'est parce que ça ne va pas. Ce ne sont pas ces citoyens lambda qui vont marcher dans les rues de Goma pour exiger le départ du premier président. C'est nous qui devons, parce que c'est nous qui sommes avec lui. Nous connaissons ce qu'il fait. Nous connaissons comment il est en train de rendre la justice de manière cavalière. Quand vous parlez de la justice militaire, vous voulez dire quoi? Quand je parle de la justice militaire, je vois donc la cour militaire, l'auditorat militaire supérieur, le tribunal militaire de garnison. Et aussi, le drame était des garnisons. C'est ça la justice. Vous dites que là, ça ne marche pas aussi? Nous disons que vous avez posé la question de savoir, par rapport à l'insécurité qui est à Goma en ce qui concerne la justice, mais je vous ai dit que les gens se règlent des comptes à cause de l'injustice. C'est-à-dire, lorsque les décisions judiciaires sont rendues en violation de la loi, eh bien, la partie succombante préfère mettre fin à l'autre pour qu'elle puisse se venger. Et donc, ce n'est pas seulement chez les civils, mais aussi chez les militaires. Et non, c'est comment? Je suis Maître Théo Manéga, du barreau du Nord Kivu. Je vous en prie. D'accord.